Pour que ça pour payer tout prix ça après quoi pour nous pas gagner approbation le ciel dans vie nous. Et va correct. Non seulement le voyer demander aide là, l'œil finit le monter à la Syrie. L'aller joindre noir. Et puis senti la lettre joindre l'hôtel qui dressé en Assyrie, baga la baga rien la donne comme principe. Et puis il vient appliquer. Depuis l'autre bois, le voyer dit, fais exactement, prends mesure, yo, fais exactement, Jean, nous te dévoile là. Jean me voyait dire, ou là, fais exactement comme ça. Yo, fais exactement, Jean le demandait. Le ça, nous péchons avec exactitude, avec fidélité. Parce qu'on peut monde. Ou pas monde. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. Parce que là, il tournait fort qu'il était dans l'hôtel, ça. À son arrivée de Damas, fort qu'il était dans l'hôtel, là. Le roi vit l'hôtel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa des libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Oui. Il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Tout ça qui était établi par Moïse, que l'Éternel débat comme l'ordre dans le temple de Dieu, il retire. Lis Deux Chroniques 28. Là, bon, même histoire. Ça m'a donné un peu plus de détails. Prends note ça. Et Deux Chroniques 28. On commence depuis le commencement? Non, on va pas commencer depuis le verset premier. Nous sommes de l'histoire déjà. C'est même histoire avec plus de détails. Si vous voulez lire tout le chapitre là, au même. Mais on va commencer le verset 16 pour qu'on ait ça en besoin. Depuis où abandonné l'Éternel l'a livré? Qui ça me dit là? De vous abandonner les paroles, ou abandonner l'esprit, ou abandonner les prières, ou abandonner les jeunes, ou abandonner les communications, la livrer dans l'esprit, ou la livrer au bas des situations de ce monde, la livrer la vie ou même. Et si vous n'avez aucun mourir dans ça. Mais c'est une fois nous abandonner mon Dieu, nous parents nous continuons à abandonner. Maman, je vais adorer matin, mais je vais vous donner une information sérieuse. Pas abandonner mon Dieu. Va abandonner la livrer. Pourquoi on m'a fait de là? On fait ça par amour. Baga qui caché, baga qui pas semblé ou rien. Mais on a envie nous comme des adorations. On a envie nous bien dans bon Dieu. Oh, de gars. En ce temps-là, après, la question. Et Akaz vive mal, bon Dieu livre-le. Qu'on y a eu attaqué-le. Mais en ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. C'est même histoire là, mais il y a quelques petits détails là-dedans. Les Édomites vinrent encore bâtir Juda et emmenèrent des captifs. Parce que l'or abandonné l'Éternel là même. Il a abandonné. Nous songez, nous t'ai dit l'autre jour. Là, oui. C'était mardi soir, Deux Chroniques 15 ans. Anani. N'a pas songé? Alright. N'a pas serré rien pour tout ça, je ne vais pas. Verset 18. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine. Et du midi de Juda. Oui. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Gederoth, Soko et les villes de son ressort. Gimzo et les villes de son ressort. Ça gagne à Akaz abandonner l'Éternel comme le roi du pays. Verset 19.
Car l'Éternel humilia Judas. L'Éternel humilia Judas. À cause d'Akaz, roi d'Israël. À cause d'Akaz, roi d'Israël. Qui avait jeté le désordre dans Judas et commis des péchés contre l'Éternel. Où est-il ça encore? Où est-il encore? Car l'Éternel humilia Judas. Mais raison que fait l'Éternel humilier Judas. Toute une nation a souffri. À cause d'Akaz. À cause d'Akaz. Roi d'Israël. Roi d'Israël. Qui avait jeté le désordre dans Judas et commis des péchés contre l'Éternel. Et ça, c'est un gros bagaille. Un leader le dit en pile bagaille pour un peuple. Un leader spirituel le dit en pile bagaille pour un peuple. Un leader naturel le dit en pile bagaille pour un peuple. Ou abandonner l'Éternel. Ou pas faire espace pour lui. C'est volonté ou a fait. Bon Dieu, il doit abandonner tout ton peuple pour être un grand monde. Ça fait, l'homme en position spirituelle ou à diriger ou en danger. Faut faire avec amour pour bon Dieu, amour pour le peuple de Dieu. C'est un plus gros malheur qui arrive au peuple pour un leader coupé de Dieu. C'est grave. Pas bien que mon café quelque désordre dans nos zones. Mais si leader a pas avec le Seigneur a abandonné. On n'a pas de moyen pour connecter. C'est bon Dieu créer hiérarchie. Par son côté, autant de monde dit, même si bon Dieu m'a servi, c'est dans bon Dieu m'a quoi. Dans qui sa leader quoi? Il y a un loyer, il y a un vent nous pendant que je suis dans son banc là. Non, il y a un loyer vent nous. Hein? Non, il y a un loyer vent pendant que je suis dans ton côté. Non, je suis seul qui doit vendre. Souvent, quand tu as un marchand de nom, tu as vendu nom. Je t'ai appelé et dit béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, merci Seigneur. Non, mon vent, on compte déjà. Non, vous entrez trop fort dans ça. Mais regardez, regardez ça crivé Israël parce que Akaz a abandonné l'Éternel. C'est moi qui dis ça, m'a dit à mon consalier. N'importe qui t'y zone ou flanché, quitter le Seigneur. Il est facile pour quitter un trou, n'importe qui ça passe là-dedans. Standard en peuple, c'est standard en leader. Sans bâtir à ces sacs-là. Je veux dire, on a même été avec le Seigneur. C'est ça que nous voulons pour. Nous voulons le Seigneur, dit c'est Dieu dans la vie ou est avec elle. Et souvent, après, nous ne cachons rien comme information. Vous. Nous disons tout le bagage. Il faut sauver. Il faut avoir une place sous le bon Dieu. Il faut connecter avec le ciel. L'Éternel humilia Judas à cause d'Akaz. Roi d'Israël qui avait jeter le désordre dans Judas et commis des péchés contre l'Éternel. Verset 20. Tilgat Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs pour faire des présents au roi d'Assyrie. Ce qui ne lui fut d'aucun secours. C'est pas ça, bah, il faut aller de vraiment. Alors, moi, j'ai un détail que Konik l'a fait là. Et, ça, ici, nous, il y a un peu peut-être qui est capable d'attirer l'attention. L'homme, on a servi, il y a racine, quand on soit sort, bah, diable, là, on joue quand même. C'est pas comme ça, vous dites? Quand soit j'ai essayé de faire pour attirer pitié, là, je joue quand même parce que le pari miséricorde. Il va faire tant que bagaille comme ça. N'importe qui est capable de ouais, soit j'ai une miséricorde dans mon méchant ou perd du temps. Pourquoi ça arrive? Mon secret. Mon secret. Faut faire face. Contre péché, contre transgression, mais qu'un standard, bon Dieu.
ou ap gon bon résultat. Résultat capable vin vite, mais ou ap jwenn ni. Problème nous c'est que nous pas gen patience, nous vle résultat vini vite, li pas konsa nan bon Dieu. Faut bon Dieu éprouver avant le bénir. Si ou ap apprendre. Verset 22. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Verset ça veut dire en pile bagaille. Le Seigneur voyait détresse sous tout. C'est pour Dieu qu'il a ouvert pour changer. Mais l'ordre d'esprit, plus ou jeune détresse, c'est plus tombé plus bas. Le ça s'orgueilleux, ou bien méchant de cœur, du feu pas changé. Du feu parfois prend conscience. Ou descend plus bas encore. Maintenant, n'importe où est, n'importe qui est sous est qui joint des preuves, qui vient plus mal, qu'on est ligon cœur impénitent. Il doit habituer avec péché, il va pas changer. Finalement, la vie perdu tout, ça a été gagné dans le Seigneur. La vie réprouvée en ce qui concerne le jugement. Akaz fait ça. Plus il fait une détresse, c'est qu'on s'en descend plus bas. Verset 23. Il sacrifia au Dieu de Damas qui l'avait frappé. Oui. Et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je le sacrifierai pour qu'il me secoue. Mais il fut l'occasion de sa chute. Il fut l'occasion de sa chute. Et de celle de tout Israël. De tout Israël. Moi, lis ça comme un petit détail en plus que Konik Labay. Dans l'histoire, ça. Ouais, quel qu'on soit, Jean adore le diable. On va tomber dans la défaite. Quel qu'on soit, Jean adore Tetou. Tetou pas Kakembeo. Lâcher avec ses passions, ses désirs. Les esprits impurs. Fausse religion, quand soit adoration, quand soit joie adorée, quand soit divinité, on va sortir avec succès dans la vie. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Un seul Seigneur. Un seul roi. Un seul sauveur. Un seul rédempteur. Jésus. Alléluia. Question me vient aujourd'hui à qui est-ce qui Dieu? Sans hypocrisie. Est-ce que c'est tête ou bien l'autre instance? Dans qui est-ce ou quoi? Lorsqu'un problème, qui est-ce ou elle est avant? Oh oui. Moi, je voulais lire ça là pour montrer un bagage. Il y a l'autre détail toujours là. Mais nous n'avons pas de temps pour nous lire. Et quand le crivé, lui prend tout ça qui était établi dans la maison de Dieu par Moïse, il crase base, cuve des reins, et hôtel des reins, écrasé, mettez-le sur le côté. Kazé, ça fait, l'homme qui a autorité dans le monde, faut songer tout. Il doit avoir autorité dans le monde et pour oublier loi, oublier principe, oublier règlement, va avoir amour, mon Dieu. Ou à magie. Ou à perdu, mon Dieu. Nous avons besoin de rester dans le pied libre pour l'aider, nous. Nous devons appliquer principe, yo. On va aller oublier peuple, bon Dieu. Loal. On a parlé de Jéroboam tout à l'heure. Nous lisons en 12 là. Verset 25, pas vrai? On t'a caillé depuis en haut, mais on lit là. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon. Kotoye. En 12, Miri. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Ephraïm. Et il demeura, puis il en sortit, et bâtit Pénuel. Oui. Verset 26. Jéroboam dit dans son cœur, qu'est-ce qu'il? Non, cœur.
Qui va dire ça? C'est là que vous commencez. Et le chef, il a autorité. Pendant qu'il dit ça, non, que là, pas oublier, nous disons tout à l'heure, car il s'ouvre, mais un peu avant le chapitre 12 là, il était descendu d'Égypte, là, il fait une formation dans l'Égypte. Oui. Pour le tourner. Ça le fait. Il dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Oui. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront. Et retourneront à Roboam, roi de Juda. Ma voulie, verset 27, là, comme je l'ai montré en bagarre à la donne. Si ce peuple. Maintenant, verset 26, là dit, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem. Si ce peuple monte à Jérusalem. Attends-moi, mais c'est là l'Éternel dit pour y aller. Allez à Jérusalem. C'est là le dit pour y aller. Mais il dit, si je quitte au monté à Jérusalem. Pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Parce que loi te baille ni pour les 10 nations d'Israël qui étaient au nord d'Israël. L'été pour Juda et tout le peuple. Maintenant, c'est ton loi pour descendre à Jérusalem. Je vois, je me dis, si je quitte au descendre, je vais adorer, je vais tourner à David. Je vais tourner, joindre Roboam. M'a perdu pouvoir, il a tué. Qui s'est arrivé? La prédonti politique. La défense intérêt politique, la défense royaume, ni ti autorité, deuxièmement, crainte prendre la défense ville. Mais on va pas arrivé. Ouais, depuis dans raisonnement qu'a craintif. Et c'est l'ombre le méchant. C'est l'ombre qui a commencé à défendre tout. Lui dit, si je quitte ça, fait. Mais ça, il va le faire. Il n'y a pas personne qui dit ça, vrai. C'est lui qui font raisonnement. Vous suivez? Lui font raisonnement, lui dit, si je quitte le peuple à monter à Jérusalem, mais c'est ça l'Éternel, te dit pour monter à Jérusalem. Quand on va changer là? Parce que au cas où Roboam, il y a quelqu'un qui a attaché ma paix du peuple là, l'a pas assuré autorité, le pouvoir, le trône ni. Même dans l'église, c'est comme ça. Mais loi le fond bagarre dit m'pas quitter dans la convention encore. N'a attendre l'autre ministre. Oui, c'est pour aller pour l'autre ministre. Et puis on sait la parole, c'est ce ministère de conviction dans peuple. Et dans votre ministre qui parle, c'est ou à la convention, à la réunion, vous pas bâtir le corps de Christ. C'est pour le peuple là l'ouvrir aux cinq ministères de Dieu. Si vous empêchez ou à l'ogontiba personnel, vous faites pas de. Vous pas bâtir un peuple sous côté pas de. Le Seigneur a besoin d'avoir. Vous pas qu'à faire mon peuple. On l'esprit Jéroboam lié. Vous avez dit, nous avons dit tout le bagaille. Ou aller, elle parle en langue de convention. Depuis le nécessaire, parle en des autres seulement. Allez, elle dit bon Dieu merci, elle communion à peuple. Allez, frères et sœurs, nous sommes dans l'autre zone. Réjouis avec vous dans le même corps. Puis là, tout le chanter quand il veut chanter. Il est béni, nous tous. Vous êtes le corps de Christ. Ou elle m'a appelé Roboam et j'ai Roboam là, mais ça qui intéresse, c'est ce qu'a fait Jodi. À moins que ça va mourir déjà. Ça va passer. Je besoin de ça qui applique à nous-mêmes, Jodi. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes seulement. Chacun pour sa part. Sauf que nous, le Lord. Hey! Verset 28. Regarde-moi qui ça dit là. Verset 28. Après s'être consulté, oui, le roi fit deux veaux d'or. Et il dit au peuple. Quand elle prend théorie vaudor ça. Non, qui la loi l'Éternel te baille.
Adoration du veau d'or. Son adoration. Son divinité égyptienne liée. Le veau d'or représentait le dieu de la fécondité. L'on étudie, vous comprenez, c'est l'adoration du dieu Apis. C'est en Égypte qu'il prend. Il vient avec elle. Ça n'a pas baga qui vient de la loi. Il fait deux veaux d'or. Et puis, mais ça le dit comme raisonnement de ça. Assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem. Oui, ça fait longtemps que vous êtes monté à Jérusalem. Vous avez longtemps, vous êtes allé à Jérusalem comme ça. Mais qui vous voulez aller? C'est là l'éternel te dit pour y aller. On va qu'à mettre dans l'autre principe. Hein? Moi, Israël. Oh, mais Dieu, Israël. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oh, mais ni. Il change l'esprit, mais il est sous vos d'or. Je pourrais qu'on s'y bague à passer dans la tête, donc il veut fort oublier Jérusalem. Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais. Oh, Jérusalem, si je ne me souviens de toi. Jérusalem, si je ne fais de voir le principal sujet de ma joie. Jérusalem. Jérusalem. Spirituellement tout, voilà Jérusalem. Faut être attaché à Jérusalem. Spirituellement. Il plaça l'un de ses voix à Bethel. Bethel, c'est là que t'es connu un lieu d'adoration Israël. Il met une là. Et il tire l'esprit sous ça. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Oui. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple. Quand ça fait, il créa des sacrificateurs parmi tout le peuple. En général, il y a un sacrificateur parmi les Lévites. Les Lévites. Ils viennent pour tout partout. Et n'a pas tenu un petit moment sous pas contre ça qu'a fait là, sous pas contre ça que t'es doué fait, quoi comprendre faire tout le bagage correct, parce qu'ils font représentation, vrai. Oui. Mais ils font représentation humaine, selon pensée. Ils n'ont pas contre prendre sacrificateur dans tout le peuple là. Ils ont pris sacrificateur parmi les Lévites. C'est là l'Éternel dit, mes tribus, ça, c'est les Lévites, moi, baille pour le sacerdoce. Je revois me sortir en Égypte avec un série de bagailles. Il glissait bagailles à l'entrée dans le peuple là. Il va peut démonter Jérusalem tout le temps. Jérusalem, c'est là seulement qu'il y a un peuple. C'est là seulement qu'il y a adoration. Mais Dieu m'a nous. Il met pas. Il impose le zouyo. Pas jamais quitter malheur quand ça arrive. Arrêtez-vous et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Maman sien l'évangile là. Maman sien l'évangile là. Maman l'évangile qui vous sauve non moyen. Que personne ne va détourner l'esprit. Ban moi ancien l'évangile là. Si peut-être pas par ses plaisirs. Voulez détourner du Dieu vivant ou de la loi de l'Éternel, c'est pour corriger tes tout. Et vous parlez avec elle. Si on famille ou bien on amis, vous détournez, c'est pour parler avec. Mon autre bail qui fait là. Verset 32. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois. Comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. L'on pas qu'on est, ou après 8e mois, pour moi normal, de la fête d'Israël. C'est l'esprit de contradiction même qui est encore lui. En Israël, il n'y a pas fêté au 8e mois. Il y a fêté au 7e mois. C'est le mois de Tishri. C'est le mois de Tanim. Gimbaga qui vous fête au 7e mois. Et jusqu'à la fin du 7e mois, nous allons fêter la fête des tabernacles. Livini lui dit, retirez-moi le 7e mois, mettez-le dans le 8e mois même.
Il fait sacrificateur parle. Il prend bagaille au 8e mois. Sous pas contre la loi, on dit pas un problème parce que il ca fait au plus belle même que ça qu'on fait au 7e mois, mettez plus couleur. Il mettait plus senteur. Il mettait plus sacrificateur meilleur avec meilleur habit. Oh Lord. Mais bon ancien l'évangile. Nous qu'a semblé nous égarer, nous qu'a semblé sans l'esprit, nous qu'a semblé nous étroites. Mais où t'es étroite là, c'est lui qui intéresse nous. Je dis à les hommes besoin de porte large. Mais besoin de bagaille facile. C'est la grande porte. C'est ça que fait. Je vais attirer l'attention sur ça. Ou est-ce un système religieux, mais ça vous fait. Une démocratie qui est installée. Yo gon jan yo joué bagay yo pour tout le monde faire exactement ça yo vle faire et puis au final vous comment ça ne va pas pour mettre tout faire sauver dans royaume non mari do faire non le jour faire sauver tout pas contre qui ça pour faire ou livrer à terre tout ou livrer à la mort automatiquement. Jéroboam dit en son cœur, et comme ça l'a décrit le peuple là, oui, mais en son cœur. Il y a Akaz avant, il y a Jéroboam avant. Deux leaders. Il établit le 8e mois pour fêter les fêtes. Il fait un. C'est parce que Giffen qui parlait sur ça. Ils font rapporter. Et en anglais, ils sont un linon. On va qui semble à qu'on bagaille. Mais on lit non salier, mais on dit, n'est-ce pas, on l'a ici, on rapporte par une fondation qui est là. Quand on est là, quand on est fondation, mais, yo fait un petit tonnel qui a appuyé sous qui est là. Il seulement appuyé sous qui est là. Il semble dans le pas dans le calavril, il n'y a pas une fondation qui est là. On lit non. Il a appuyé sous qui est là. On rapporte. Ils font pas qui semble, mais qui pas rien qui fait dans le royaume de Dieu vraiment. Continuez le verset 32. Hein? Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois. En général, c'est 15e jour du 7e mois. Il faut moins en plus. 15e jour du 7e mois. Il me fait le 15e jour du 8e mois. Moi qui l'avais choisi. Et en général, le 7e mois, le premier jour du 7e mois, le 10e jour du 7e mois, et le 15e jour du 7e mois, vous fêtez des fêtes en Israël. Vous fêtez la fête de l'expiation, la fête des trompettes et la fête des tabernacles. 7e mois. Lui-même, il prend 8e mois, 15e jour, parce qu'il t'a menacé la fête des tabernacles. Et puis, qu'on compréhension de ça. Là, en Israël, où menacé la fête des huttes, la fête des tabernacles, où menacé nation, ou attaqué en profondeur. Et n'importe qui est, bon type dans ça. Qui t'aime dire, bagala? N'importe qui l'a attaqué, célébration de la fête des tabernacles ou attaquer le salut du peuple. Et bien comment ça t'est fêté? Nous t'es dans le désert, nous t'es gagné petite tente. Nous quittons le désert, ils ont fait loi à tes bails ou pas qu'à fêter tabernacle là-bas dans le désert. Tant nous entrons à Jérusalem. Oui. Mais ça le dit pour vous faire. L'arrivée, l'autre bord là, dans la terre promise. Ou pour faire une série de petites tentes. Ou pour faire une série de petits bails couverts avec feuilles. Pour qui raison? Ou pas dans la tente encore dans le désert. Le ça, ou pour faire un bagage pour faire songer.
Misère te compte passer dans le désert. Fêtez ça. Fêtez ça. Chaque 15e jour du 7e mois. Je vais changer, il dit en fait le 15e jour du 8e mois. On détourner l'esprit peuple là sous promesse, bon Dieu. Et n'importe qui est-ce qui fête la fête des tabernacles avec un bon esprit, ou a fêté la fête de l'épouse. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, un temple, un tabernacle, qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes hommes. Mais ça veut dire. Mais ça, Jéhovah a tiré comme vision dans tel peuple-là. Je dis à nous habiter nos tentes. Nous habiter nos tentes, n'a pas ces misères là-dedans. N'a vivre dans corruption, dans poussière. La chair avec ses passions, ses désirs, a tout menté. Mais quand l'œuvre va arriver, on va vainqueur sous vieux comme ça, on va quitter l'autre côté. Quand l'œuvre va arriver, on va fêter dans un corps angélique. On va répandre dans l'épouse de Jésus-Christ, ça va le faire pour vous. On va songer, ça va déconner passer. On va réjouir dans mon Dieu. Réveille-toi. On va réjouir dans mon Dieu. Nous prenons réjouir dans le Seigneur, dans le ciel. Et puis, Jéhovah m'a retiré bagasse dans l'esprit peuple là. Il a retiré l'espérance du salut. C'est démoniaque. On ne va pas faire un peuple bagasse comme ça. Qu'un bien salut l'évangile. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, qu'il avait choisi de son gré. De sa propre volonté. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Bon fête, tout cas, fête l'autre bois. Et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Ils font ressemblance sans principe. Veillez le bagaille à faire tout mec pas fait d'après principe la parole. Non pas avler en fausse maison. Non pas avler en fausse église. Non pas avler en fausse adoration. Non pas avler un arrangement qui est juste. Il va cacher en elle. Lis Esaïe chapitre 30 pour elle. Verset 1 et 2. Regarde pour elle comment elle dit. Prends loi, bon Dieu, expliquez, lis, comprenez. Comment elle dit là? Malheur, dit l'Éternel. Malheur, dit l'Éternel. Aux enfants rebelles. Aux enfants rebelles. Qui prennent des résolutions sans moi. Les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Qui font des alliances sans ma volonté. Ou accumuler péché sur péché. Que fait ça, il va attirer attention. Tout le monde écoute en Simon, un bon conseil là. Tel aura fini écrit. Chita pour apprendre principe pour qu'on qui sac droite. Chita pour apprendre principe pour qu'on qui sac droite. Pour qu'il y ait le bon jugement. Puis on va seulement venir d'où on va et puis au fond on va mon compte qui sac juste. Au compte principe. Au compte qui sac la parole dit. Au compte compréhension ou sage. Verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. L'Égypte a son pays dangereux lié. Et en pile adoration, veine la donne. Sous bralé, sous tagué pour aller avec en pile précaution. Pour se réfugier sur la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Sous l'ombre de l'Égypte. Verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Ignominie. Du mépris. Verset 4. Déjà, ses princes sont à Soan, et ses envoyés ont atteint Annès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur
sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. L'Égypte va en pression sous nous. C'est la mère de l'humanité, excusez. La mère de l'humanité va en pression sous nous. Il va imposer nous. De mauvaises coutumes. Et ça fait dans le Seigneur, nous besoin apprendre ça juste et ça droite. Ça juste là, difficile. Mais si c'est lui droit, on va accepter. Entre parenthèses. N'a bien pour nous en pile courage pour n'accepter ça juste et Kimbel. Gen bagay ou pral gen pou aksepte nan vi ou, li pap nan avantage naturel ou. En effet, majeur parti bagay ko pral gen pou aksepte nan vi ou, spirituellement, dans le royaume de Dieu, yo pap bon pou ou chanelman. Gen bagay naturellement ta un avantage pou. Ou avons obligé de quitter le tombé. Parce que le pas selon la loi de Dieu. Gen kob ou pap ka fè. Gen moun ou pap ka marié avèl. Ou pap ka même rema avèl. Gen moun ki pa même ka zanmi ou. Gen moun si zanmi ou. L'ap détourné du Dieu vivant. Gen kot ou pap ka ale. Gen kote sou continue à aller. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Y a séduit. Gen moun ou pa même ka continuer par là avec. Parce que parole li gen pou le dire yo. C'est pas le cap détourné ou du Dieu vivant. Quel que soit avantage que ça apporte à ou même, quel que soit bien-être naturel que ça apporte, ou gen pou fon choix. Ou gen pou appliquer. On va 18. Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Israël. Si Baal est Dieu, allez après Baal. Si l'Éternel est Dieu, allons après lui. Nul ne peut servir de maître. Le soir même, ou jeter l'autre là. Ou attacher à yon. Mépriser l'autre là. Y'a pas d'où qui est-ce pour prendre. Y'a un choix. D'après le jugement qu'on apprend. Que le nom du Seigneur soit béni. T'as le âme des lits de Théodome 12. Qu'on y a un lit de Théodome 13 en petit moment. Veillez! Nous même si là, on crée à l'aise dans le monde, ça, veillez! Nous même qui remet sel, qui remet sucre, qui remet des bagages gustatives, veillez! Moun qui remet habillé, yo! Moun qui va qu'à souffrir, yo! Mon gars, mes fantaisies, yo. Veillez. Veillez. Mon gars, toi, à l'aise dans le monde, ça, veillez. Piège, nous, à venir sous des formes très belles, très séductives. Délivrance, ou à sembler le dehors, là. On va bien vous mettre sur une table d'examen. Pour qu'on ait ça qui vient à ce que le de Dieu. Il y a un bagage qu'on peut rejeter. Il y a un bagage qu'on peut accepter. Est-ce qu'on aime le Seigneur? Verset premier, dans le Deutéronome 13 là.
s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Servons-les. Verset 3. Si t'as un monde qui vient d'où, et c'est pas n'importe qui est-ce, non? Un prophète, ou un songeur, qui t'a vint dire un arrivé dans l'autre dieu. Verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça vous le donne encore là. L'idou l'a vini, l'idou l'a quitté le vini, l'a quitté le palais, mais son épreuve vous va subir. Et ça fait en général, toujours songez ça. La chair naît avant l'esprit. Esaü naît avant Jacob. Belle bagaille toujours une avant, bon bagaille. Et principe lié. L'on a mis ta épreuve et puis belle bagaille vini. Ou bien pression pour accepter belle bagaille. Belle bagaille, pas bon bagaille en général. Et belle bagaille, d'après tentation, d'après pression charnelle là, la vie dans leur grand goût, soif, la vie dans leur besoin. Mais toujours songez, belle bagaille, pas toujours bon bagaille. Et la vie avant, bon bagaille. Adam né avant Christ, pour qui raison? La loi vient avant la grâce, pour qui raison? Son principe lié. Si vous t'avez bon Dieu béni à un bagaille qui réel, qui spirituel, qui éternel, avons éprouvé le pas de Dieu. Non. Si vous avez que l'Éternel bon un bagaille, sans pas éprouver, ils n'ont tolérance à vous. N'importe qui est CCR pour le béni en abondance, la paix pour vous avant. Vous mettez veille ça pour vous. N'importe qui est ce que bon Dieu béni, c'est lui qui bénit. Lui qui te souffre terriblement tout. Bon Dieu va jamais bénir monde qui pas souffrir. Et n'importe qui est-ce qui besoin béni sans pas souffrir ou mal passé. Il n'y a pas méthode là ça. M'béni jodi à m'apprendre l'évangile de Jésus-Christ dans le corps de Christ. Et n'importe qui est-ce qui te relé avantage bénédiction avant souffrance, nan mitan sort les bénédictions pour joindre problème pour là-dedans. Faut éprouver d'abord. Et pour qui ça fait tentation, faut apprendre à chercher bon Dieu ou même. Pour qu'on ait, est-ce que bon Dieu t'est dans ça? Est-ce que bon Dieu t'est voulu ça? Est-ce que bon Dieu avait dans ça? Est-ce que bon Dieu t'est approuvé ça pour moi? Qui tombe de près pour me chercher bon Dieu? Pendant ma prétendue, je cherchais bon Dieu. Je cherchais volonté. Je lis la parole. Intelligence, je vais apprendre. Spiritualité. Je grandis. Je développé. Je spirituel. Et puis, on joue après, on finit d'éprouver. Bon Dieu, tire m'boule dans ma abondance. Tu as mis sur nos reins un peu sans fardeau. Tu as placé des hommes sur nos têtes. Tu as fait passer par le feu et par l'eau. Oh, nous souffrons en pile. Mais tu nous as tiré pour nous donner l'abondance. N'importe qui est, soit qui a abondance, bon Dieu, n'en mène ni. Quand elle t'a souffri en pile.
A gen personne qui a béni sans pas souffrir dans quoi Christ. Amen, vous vainqueur. Et mesure Dieu tes cœurs, c'est mesure souffrance. Parce que plus ou Dieu dans l'esprit pour ben, c'est plus y a bon Dieu fait pour qu'à ben, parce que faut pas carré sans ben. Ou ben l'esprit. Ça Dieu comme ça. Mesure obéissance. Mesure souffrance tout. Pas un bail comme ça. Quand on banne nous là, le Seigneur va faire prophète ou prophétesse. L'aime dire faire prophétesse, ça bien aimé, c'est au content. C'est tout le monde qui est une femme de Dieu. Oui, mon Dieu, qui a fait de vous, n'importe qui ça. Mais faut souffrir d'abord. Et l'on souffre, c'est pour être en place ou pas venir varier sous moi. C'est pour être solide. La vie a tombé, je nous là. Vent souffle, je nous là. Gloire descend, je nous la faire. Inébranlable dans le nom de. Parce qu'on t'est bâti sur le roc. On bâti sous compréhension. On bâti sous souffrance. Oh, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem. On connaît ni verset m'a lié avant, m'a seulement lié ça, m'a fini d'aller. Mais ça lâche. Ouais, c'est pour apprendre à être fidèle dans le royaume de Dieu. Hein, qui va s'arriver là? Verset 4. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Ça, c'est l'attitude qu'on peut gagner. Vous observez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez. Oui. Et vous vous mancherez à lui. Vous attacherez à lui. Même si vous souffrez. Même si vous bolot off. Même si vous montrez belle bagaille. Mais choisis bon bagaille dans le Seigneur. Verset 5. Ce songeur ou ce. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Oh, il va mourir. Car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. Oui, il va mourir. Qui vous parce que n'importe qui est-ce qui révolte. N'aime pas que j'ai un beau à mourir. Mais attends, je vais garder ça comme là. N'aime pas que j'ai un cas mourir. Mais attends, je vais garder ça là. Mais n'importe qui est-ce qui levé contre la loi de l'Éternel dans la vie en peuple va mourir mal. On n'a pas le droit pour faire bagarre comme ça, parler de révolte contre Dieu. Qui vous a fait ça? Mais non, mais ça arrive. Les lâches font ça. Ils ont peur de moun souffrir. Ils ont pas aimé de moun en souffrance. On a parlé de ça là, de pitié humaine, passer sous côté pour dire moun non, ou pas besoin de faire ça. Et nous pas qu'à rendre au service ça. C'est pour nous annoncer l'évangile là, je l'y ai, et pour nous devoir souffrir là-dedans. Et puis nous courage dans le Seigneur. Et pour nous devoir finir souffrir, mon Dieu va venir. Levez-moi et dis mon Dieu, merci. Oh! Merci Seigneur. Verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, oui, ou la femme qui repose sur ton la femme qui repose sur ton sein. Ou ton ami que tu aimes comme toi-même. Ton ami que tu aimes comme toi-même. T'incite secrètement en disant. Il va faire bouillir ça, mais secrètement. D'une manière subtile. Avec des ruses. L'abdouan fonti à l'adorer l'autre Dieu. Oui. Allons et servons d'autres dieux. Il a dit servons d'autres dieux, hein. On ne sait pas citer l'autre bagaille. Mais quand on bande l'autre Dieu, je dis, il n'y a pas cité, mais là comme Dieu. Qui ça dit pour nous faire? Oui. Des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus. N'avaient connus. Certes. D'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi, au loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas. Pas d'accord. C'est ça, Mabdoula, je dis. Pas d'accord.
Gen baga fort pas entrer là-dedans yo comme consentement. Gen porte qui l'ouvre c'est l'en moque derrière porte là. Même sou elle paraît belle, son l'en moque belle comme ça. L'amour de l'âme et l'amour du corps. Bon, le son de besoin, c'est tête nous tout. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens comment? Oui. Faut pas presser courir des bagailles de vanité, des choses de convoitise de ce monde. Faut battre de discipline, ça. Faut un seul choix. Le Dieu éternel. Pas négocier ça. Quand on soit moun et bagaille. Tu n'y consentiras pas. Tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. C'est l'emballe de pitié humaine, non? Il y a quelqu'un qui vient de côté, qui vient de parler en pile dans les oreilles, ou souvient pitié pour lui mourir. De pour qu'on t'y pitié pour lui aller. Parce que, lui vini pour le toucher pitié, ou même c'est la porte d'entrée liée. Bah, vous avez besoin de dire dans la salle, écoute le principe. Écoute loi, écoute le principe, bon Dieu, que de ça. Ça, l'Éternel dit dans ça avant d'accord avoir. On cherche le livre la loi. Oui. Sa principe dit. Donc là, c'est pas pour après-midi là pour nous parler. Il y a des gens qui sont d'accord avec un bon petit. Si bagaille sous-côté. Après ça, on va venir côté avec un petit pied cassé. On dit qui est-ce qui te voit ou pas qu'on est? On va veiller ça. Même là, on a mis un peuple là. On a mis un démarche qui a été fait là. Vous voulez la gonne dans tout. Un jeune homme vient contre le besoin de ma avoir. Contre licence. Qu'est-ce qu'il faut? Soit faire. Est-ce qu'on travaille? Quel niveau spirituel? Quel est l'esprit? Combien la parole qu'on est? Combien de principes qu'on est? Si mesdames, vous même, problème, vous avez, vous trouvez trois routes. Pour faire un en fait, yo besoin remer yo, on va pas la faire des questions ministère. A faire la loi. Trois routes pour faire. Pas la avec moi, on met pas la avec moi. Relève mon téléphone. Relève dans free night. Voilà bon. Gain kon font violence, il dit. On va au ministère, ah oui, il dit sous deal ça me qui t'avo. Et garé à même comment son baisse qui même qui dit on monde gros ces bagaille ça on n'en parle avec toujours ou pourquoi chambre besoin d'être ni dans mon corps mon ba me dit ça mon pour qui ça me dit le monde tout an aimer ça vous dit on va prendre le son on dit lui même ça arrivé grand bonne. Si monsieur voit ici, yo, mais dis monsieur tout, si ou mes grands monsieur, yo pas d'accord avec question, ministère d'affaires, mais yo libre, moun parle avec yo, ou chef tout chef ça, sans tout grand moun ça, affaire de question, mais c'est pas fragile lié. Pas de personne qui peut examiner éléments pour de qui est lié. Ou pas qu'on compte manger au garde demain, ni contre la vie éternelle ou yé. Il vient nous commencer par là, avant de façon doucement. Ça ne parle plus doucement, et plus mesdames. Même si vous êtes là, vous ne pouvez pas faire, non, Jean, vous comprenez. Bon, je n'ai pas besoin de dire ça qui a coûté la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de dire pour l'autre, qui n'a pas fait la parole même. Bon, bon, qui vient voler dans le monde, mettez-le dans la prison. Même pas aller, si vous voulez faire les choses droites, vous allez avec tout lui-même. Il semble mon petit gens solide, ouais, solide. L'homme confie, n'a pas joué avec ça. Moi, vraiment, et respecte.
respecte vœux, respecte choix ou fait dans le royaume de Dieu. Ma prend vie ou à la légère du tout. N'importe qui est, moi dis nous ça ici, que le Seigneur va nous garder pour lui, nous prenons au sérieux, parce que nous prenons bon Dieu au sérieux. Va bon Dieu papa ou? Yes. Moun ki ba garder nous, hein, qui remet ou ici à pour nous garder pour lui, nous respecte l'empile. Le Dieu des cieux. C'est pas lui que vous voyez? Yes. Nous respectez ça. Mais conformez-vous. Nous pas pour méchanceté, mais quatre moun jita là, il y a soin de marier. Comment nous fait souvent, oui, nous aimons faire ça. Fait shower pour yon m'a dit, et soin de marier au matin ou l'église. T'as l'air qui te dit deux mots là. Sauf que vous avez prêché. Vous avez bien prêché, mais vous n'avez pas parlé. N'a pas. Nous aimons faire ça. Pour qui sont pas mariés, vous mariez droit. Nous avons assez d'expérience dans ce qu'on dit là pour nous connaître le vrai. Madame dit, c'est m'pas qu'on est vrai. Son côté ou a béni. Tenez ça, elle dit, oui. Si frère, maman, petit ou, petit garçon ou fille, madame ou, mari ou, zamou coréman pile, l'état dit ou abandonne la loi, adore tête ou, adore pensée ou, adore volonté ou, adore l'autre Dieu, pas fait ça. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut que la loi de Dieu règne. Mais ça dit dans verset 9 là, tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première. On finit verset 8 là, nous on reste là. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas. Pas épargner. Et tu ne le couvriras pas. Pas couvrir. Mais tu le feras mourir. Mais on va tuer. Comment on va tuer là? Dans la célestame, c'est naturel, mais je vous dis, elle pas, naturellement, elle pas naturel. Elle pas obligatoire, mais naturel. Je dis, pas épargner, pas couvrir. Pas cacher. De vous couvrir pour l'île actuelle. Parce que serpents ont l'habitude de vous couvrir pour l'île piquer. De vous couvrir pour l'île piquer. Ou à l'état arrivé milieu, avec un monde qui pas voulu passer droite dans l'abîme. On va descendre avec. Non, pour qu'ils ont voulu les coutumes des autres nations comme ça. C'est comme ça qu'ils font là-bas. Pas importer le vinicite. Ça, c'est le royaume de Dieu. Tu le feras. Ta main se lèvera la première sur lui, pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple. Ensuite, tu le lapideras et il mourra. Parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui ça pour faire avec de servitude. Qui ça pour faire avec Tuel. Lapidil. N'importe qui est-ce qui vient relodier en tombe dans l'impudicité avec elle. Ou doit premier monde qui pourrait les barrer d'elle. Li pral détourner ou, la tuer dans mou, et la mener dans l'abîme. N'importe qui est-ce qui vient parler, peuple bon Dieu, à mal avou. Ou doit premier monde qui lever la main contre lui, sous droite vue. Si l'esprit droite. Si l'esprit juste ou premier monde qui vous dit, Melvin Trim. Il y a un verset biblique qui dit, vous ne pas supposé parler prince l'en mal, ni roi. Pas parler frère mal. Pas détruire. Ou le premier monde qui levait contre lui. Parce qu'il vient pour le détruire, il vient pour introduire, séduire. Là, on a un trou. Pas de quitter le monde glissé entre la caille. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Afin que tout Israël entende et crée et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. N'importe qui est-ce qu'il faut venir détourner de l'Éternel. Et comment on fait? Comment on faut détourner de Dieu?
Mais il faut détourner de la loi de Dieu. Des principes divins. Conseil, il faut détourner. On va obliger de lire une dernière partie là. Je vais commencer verset 1er pour capable montrer nous mon bagage, mais pas la vérité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Ézéchiel 23, verset 1er. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. L'aînée s'appelait Ohola. Et la sœur, sa sœur, Oholiba. Elles étaient à moi. Et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. En période de temps, Samarie représentait les 10 tribus parce que c'était la capitale d'Israël. Représentant les 10 tribus. Dans l'autre période de temps, Jérusalem de représenter les 2 tribus, Juda et Benjamin. Ça fait 12 tribus. Mais il dit, yun rele Ohola. L'autre la rele Oholiba. Mais il dit, tous deux commettent prostitution. Je vais vous entendre toutes. Je vais vous entendre toutes. Mais qui est-ce que vous avez là pour vous? Verset 11. Sa sœur Oholiba fit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Alors, je parle de Ohola en haut. Sa prostitution dépassait celle de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie. Attendez. Être enflammé là ou bien s'enflammer signifie avoir des désirs démesurés pour la nation étrangère. S'enflammer pour la Syrie. Gouverneur et chef, ses voisins, vêtus magnifiquement. Cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et charmants. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre eux les murailles des peintures d'hommes, des images de Chaldéens peints en couleur rouge. Ça, c'est de la charnalité. Ni de Samarie, ni de Jérusalem. Verset 15. Avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variés flottant sur la tête, tout ayant l'apparence de chef, et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Pabli et Zioyo fixés sur Babylone. Depuis qu'on satisfait des yeux, on n'a pas besoin qu'on ait qui bon. On a besoin qu'on ait qui Dieu, qui coutume, qui habitude. Verset 16. Elle s'enflamma pour eux au premier regard. C'est eux, oui, qui allaient aimer les autres nations. Et leur envoya des messagers en Chaldée. En Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle. Kounye a ti moun Babylone yo vini. Pour partager le lit des amours. Et ils la souillèrent par leur prostitution. Oui. Elle s'est souillée avec eux. Puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité. Elle a découvert sa nudité. Et mon cœur s'est détaché d'elle. Et mon cœur s'est détaché d'elle. Comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. N'importe qui l'a entré dans la prostitution, dans l'impudicité spirituelle avec Babylone, bon Dieu a détaché le dos. Bon, gros danger, on l'avait expliqué là. Lorsqu'on soit venu remettre tout,
Ou bien on vient remettre le système religieux. Remettre ce qui a passé dans le monde des impies. Remettre les choses de la terre. Les belles choses de ce monde. Vous commencez à perdre une inspiration spirituelle par l'esprit. Vous commencez à baisser ou descendre dans mauvaises positions. Et ça, Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, d'entre les morts, Christ t'éclairera. Quel que soit mon nom, quel que soit effort, sacrifice qu'on doit faire pour remonter le courant. Dégagez-vous. Faites-le. Pourtant, vous jeûnez et priez. La guerre devant le Seigneur personnellement. C'est pour aller côté de vous dire, Seigneur, me senti me perdre onction. Seigneur, me senti me perdre connexion. Seigneur, me senti me perdre communication, ma voix. Seigneur, me senti me descendre dans un niveau qui bat. Vine sauver. Voyez, anges ou aider. Pas quitter pour comprendre dans zone côté mienne. D'après ça, ma branle. Mais qu'on est si mouet qu'on ça m'a péri. Même pas v'lait péri. Voyez, anges ou venez aider. Moi, retirez-moi dans zone côté mienne, Seigneur. Si vous sincère, bon Dieu, avec Dieu. Si vous sincère, le Seigneur va toucher. Moi, je finis pour me dire un bagage. Pression, monde l'en fait sous nous, hein. Li en pile. Ni le monde religieux, ni le monde des impies, ni le monde de soi. Son gros pression lié. Il est venu par la tentation pour le détacher des choses spirituelles. Il est venu pour faire nous perdre, bon Dieu. Dieu là, il va parler. Il est représenté sous plusieurs formes. Soit dans la vie ou soit dans le monde là. Et même dans le monde religieux. Il y a une vieille puissance démoniaque. Qui vient pour détacher de Dieu. Nous besoin monde ça qui besoin bon Dieu et qui veut salut éternel. Qui est-ce qui veut aller? Qui est-ce qui veut cultiver le Seigneur dans la vie?